Et salut à tous les amis, c'est Arthur, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer le meilleur troll du monde dans une base. Alors ce troll là, moi je l'aime particulièrement parce qu'il est totalement invisible et pas prévoyable. Donc imaginez que vous arrivez dans une base. Donc déjà vous faites un labyrinthe pour bien faire rager. Petit labyrinthe, hein, tout simple. Là je me suis pas énervé à faire un labyrinthe. Voilà, je fais un labyrinthe bien nul. Mais c'est pas grave, c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse c'est là. Les gens, ils arrivent à la porte. Ils disent, ah, c'est cool. Donc déjà, est-ce que vous voyez quelque chose? Je vous laisse 10 secondes pour trouver. Vous n'avez pas trouvé, c'est normal. C'est strictement invisible. Je vais vous montrer ça. Donc les souris arrivent, ils font, ah, yes. Oh non! Je suis mort. Comme ça, c'est drôle. Mais, en réalité, c'est encore plus drôle que ça. Car c'est totalement invisible. Vous n'avez rien vu. Plus la palette de pression, c'est un système qui est très simple. Vous voyez le piston là, quand on appuie, le piston il s'active ou il désactive. Donc je vais remonter ça. Hop là, hop là. Donc déjà qu'en gros, vous pensez que quand vous arrivez, vous pensez que la palette de pression qui est appuyée va ouvrir la porte, mais pas du tout. Ça va enlever le bloc qui est en dessous de la porte, ce qui va faire despawn la porte. Et donc, tu vas quoi? Tu vas la personne qui va trop vite, elle va tomber dans le trou. Et en plus, ce qui est mieux, c'est que le trou après il reste. Donc ah non, il reste pas. Ah si, ah ouais, c'est bien ça. Et encore le pire, c'est ça. Ça, je l'ai pas remarqué encore. Je l'ai pas encore fait. En plus, le trou, il reste. Donc ça, c'est bien. Tu vois, en plus, c'est bien en avance. J'adore mon truc. Bon, bah voilà, c'était tout ça. J'ai juste fait ça pour ce petit troll. J'espère que ça vous aura plu. Et à bientôt. Ciao, ciao.